Bonjour, donc quelques petites vidéos pour présenter ce sampler Yamaha SU10. Alors voilà, il est allumé, il est branché sur pile. Ici c'est mon câble d'entrée, hein, input. Donc là je l'ai branché sur la sortie de mon ordinateur. Et ici ça c'est la sortie qui va ensuite là, vers la sono pour pouvoir entendre le son. Alors, une petite présentation rapide. Donc ici, hein, là, moi j'ai enregistré quelques sons, donc que je peux lire en appuyant simplement dessus. Voilà, je vais régler le volume ici. Par exemple, voilà, donc on entend que ce sample, là, il tourne en boucle. Hein. Si j'appuie, il s'arrête. Là, j'en ai un autre. Il tourne pas. Donc on a plusieurs modes. Hein. J'ai encore un autre son. Et au-dessus, j'ai enregistré des notes de basse. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc ici, on a les touches, hein, REC pour enregistrer. Et ça va être pour lire si vous faites des enregistrements au niveau song. Ici, on a des songs, on peut enregistrer des chansons en jouant sur l'iPad. Et ici, donc, on a les touches de menu. Alors ici, donc, la touche banque qui va nous permettre, si on voit bien, de naviguer dans les différentes banques. Là, je suis sur la banque B. Là, je passe sur la banque C, sur la D. Sur la A, je vais revenir sur la B. Shift, rêve, ça c'est pour lire un truc à l'envers. Scratcher, bon, c'est sûr pour scratcher. Hold, c'est pour faire comme si vous teniez la touche toujours enfoncée. Donc ça va pouvoir. Voyez, si là, hop, j'appuie sur Hold en même temps. Voilà, bon, ben, elle va jouer tout le temps. Alors, il y a donc cette touche Shift là qui nous permet d'accéder aux autres menus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, Shift, je vais appuyer sur Shift pour aller à Utility d'abord. Donc, Shift, Utility. Je suis dans Utility. Utility Rec. Donc, ça, c'est le menu dont vous avez le plus besoin. Ici, avec les flèches, donc plus 1, moins 1 et les flèches là, je vais me déplacer dans le menu. Donc, j'ai Utility MIDI. Bulk, MSDS, Utility Song, Utility Lock, Init. Voilà, donc Init, ça va être pour initialiser, a priori. Hein, Lock, Song, ça va être pour effacer ce que vous avez déjà fait. Donc si j'appuie sur Enter ici, il va me demander est-ce que vous voulez effacer la Song 1 ou si je navigue la 2. Pardon, donc ça va être plus 1, moins 1, bon, c'est toujours la 3 ou la 4. Moi, je ne veux pas faire ça. Je vais revenir au menu d'avant en tapant sur Exit. Et je vais aller à Utility, donc Rec. Utility. Donc et là, j'appuie sur Enter pour rentrer dans ce menu-là. Donc ici, en fait, sur Utility Rec, là, j'ai donc la sensibilité d'enregistrement. Hein, donc la mémoire elle n'est pas extensible dans cette machine. Donc ici, longue, ça veut dire que à peu près, bah, en fait, alors j'ai plusieurs, j'ai longue, extra longue encore. Vous voyez ici, donc s'affiche le temps qui me reste disponible. Donc là j'ai 9 secondes et 9 centièmes, 9 dixièmes. Si j'appuie là sur plus 1, je vais changer. Hein, la sensibilité d'enregistrement, et vous voyez en fait là du coup je me retrouve avec 13 secondes et quelques d'enregistrement. Si je reviens à longue, voilà, j'ai 9 secondes. Si je vais en qualité standard, bah, j'ai 6 secondes 8, et puis en haute qualité j'ai 5 secondes. Voilà. Alors j'étais passé sur longue pour avoir le plus de samples possible, enfin avec une qualité quand même. Voilà. Ici je gère le pitch, hein, donc le pitch, je monte ou je descends le pitch, voilà, hein, ça va jouer
En fait, donc je peux aller jusqu'à moins 20%, ça va jouer donc sur, hein, sur la hauteur des sons qui vont être joués. Et ça, c'est le format. Donc là, je suis passé moi en format mono, bah, à nouveau pour gagner de la place. Parce que si, vous voyez, si je passe en stéréo, bah, il me reste plus que 5 secondes, hein, d'enregistrement. Et là, j'ai presque 10 quand je suis en mono. Voilà. Après, quand je continue à naviguer, j'ai input. Donc ça, c'est le sélecteur d'entrée. Donc ici, ce qu'il enregistre, c'est l'entrée line, ligne. Hein. Donc en fait, c'est ce qui est branché, moi, ici, là. À côté, je ne sais pas si on peut le voir. Donc ça, ce sont les entrées MIDI. Hein, c'est-à-dire, ça va être pour piloter le sampler avec un clavier MIDI externe. Et voilà, on voit pas très bien, ça c'est le défaut de ce sampler, c'est que c'est écrit ton sur ton. Donc ça c'est mix, c'est écrit à l'envers en plus. Là, bon, ici, si je veux brancher un transfo pour pas passer sur pile. Et puis ici c'est l'entrée micro. Voilà. Alors si je reviens ici, donc input line, donc c'est ici. Line, c'est ce qui va sortir d'un téléphone ou d'un ordinateur. Pour le coup, là, c'est mon ordinateur. Donc si je veux sélectionner, si je veux changer, bah, ça va être plus 1 et moins 1. Là, pareil, hop là, vous voyez, ça, je suis passé sur l'entrée micro. Donc j'ai deux entrées possibles, hein, ligne ou micro. Voilà pour le menu utility. Hein, qui est surtout utile pour le utility rec a priori, enfin pour un usage de base. En appuyant exit, donc je reviens sur utility rec et je peux à nouveau naviguer MIDI, bulk et puis song, voilà, lock, bon, a priori ça doit être pour locker, je sais plus. Ah ouais, donc là, effectivement, vous voyez, si j'active le lock sur la banque A, bon, a priori, on peut imaginer que je ne vais plus pouvoir effacer. Hein, c'est-à-dire que la banque A, elle est verrouillée et je ne peux pas faire d'erreur, effacer des trucs par erreur, etc. sur ma banque. Bon, je ne vais pas faire cette manip. Je reviens avec Exit sur Utility. La fin de utility, je vous rappelle, donc c'est init pour initialiser, et puis voilà. Je ne veux pas le faire non plus, hein, parce que je suis en train de charger quelques trucs dedans. Je rappuie sur exit, keep power on, très important, c'est-à-dire, vous voyez, ça a été rapide, mais de temps en temps, si vous faites un enregistrement, il va rester, ou si vous faites surtout un effacement, donc vous allez voir faire un delete d'un pad, il va afficher encore une fois Keep Power On. Par exemple, admettons que je veuille effacer ça, ben, je vais le faire dans une autre vidéo parce que ça va être trop long. Allez, c'est tout pour ce premier menu. Mais Keep Power On, attention, Keep Power On, ne surtout pas éteindre la machine quand il fait ça. Allez, alors une deuxième vidéo pour se familiariser avec cet engin Yamaha SU10. Désolé, ça bouge beaucoup, hein. Alors, donc j'ai enregistré déjà quelques sons, quelques samples sur cette machine. Et ensuite, libre à vous, là, pour faire ce que vous voulez, de effacer, modifier les choses. Alors, j'étais en attente pour enregistrer. Alors, donc ici, j'ai enregistré des notes de basse. Ici, j'ai une petite clave. Et là, alors vous voyez, la particularité, c'est qu'ici, j'ai des notes. Et ici, j'ai enregistré un sample entier de batterie. Et là, pour le lire, il me suffit uniquement d'appuyer sur la touche. Et le sample se déroule. Et pour l'éteindre, je vais rappuyer sur cette touche. Voilà. Alors tout ça, ça se paramètre. Voyez, ici j'ai à nouveau un autre sample, donc d'un instrument à cordes, qui est aussi une boucle, mais
Elle n'est pas paramétrée de la même manière. Et donc là, il va falloir à chaque fois que si je veux jouer comme ça, il faut que je reste appuyé sur la touche. Donc là, je peux déclencher un sample. Bon, voilà, par exemple, je peux m'amuser à faire des trucs comme ça. Et en tout cas, elle ne va pas se déclencher toute seule. Alors, on va aller voir en fait un peu comment tout ça, ça se manipule. Donc, pour manipuler tout ça, on va aller sur le mode Edit. Alors, pour aller en mode Edit, on va appuyer sur Shift ici, et ensuite Edit, la touche 5. Donc ici, il me demande qu'est-ce que je veux, quel pad je veux éditer. Alors, par exemple, je vais éditer ce pad-là sur lequel j'avais donc cette... voilà, je vais falloir que je édite. Point d'interrogation, donc je valide avec Enter. Et là, je rentre dans le menu. Alors là, il va me dire un peu qu'est-ce qui se passe, le mode de lecture. Et vous voyez que ici, dans l'écran, ici, là, je vais avoir des petites icônes qui bougent. Alors, je vais revenir. Ici, je suis en ce qu'on va appeler one shot. Voilà. Alors, on va pas entendre toutes les différences. Ici, je suis en loop. Donc, one shot. Il va jouer une fois. Voilà, il a joué une fois. Si je suis en loop comme ça, il va jouer, mais il faut que je reste appuyé. Et si je m'arrête, il s'arrête. Alors là, je ne sais plus la différence entre les deux. Il y en a une. Ici, mais je la retrouverai et puis je vous dirai. Ici, on passe en reverse, donc on ne voit pas très bien, mais la flèche est inversée. Vous entendez qu'il a donc joué ce sample-là. Et puis là, eh ben, il est aussi en reverse, mais bouclé. Alors par contre, j'ai toujours le même problème, enfin ce n'est pas un problème, c'est qu'en fait, il faut que je reste appuyé dessus. Alors je vais avancer dans le menu. Là, on a géré un peu la manière dont le sample est joué en une seule fois, en boucle, à l'endroit ou à l'envers. Et ensuite, ça, voilà, ça va, SD mode, là, ça va nous dire, en fait, donc j'en ai plusieurs, si je navigue sur plus 1, moins 1, là, j'ai note d'abord, j'ai toggle et j'ai trigger. Voilà. Alors, c'est très facile, vous allez pouvoir déduire aussi très facilement. Hein. Alors, pour faire de manière plus simple, je vais repasser en boucle ici sur le menu d'avant. Donc, voilà. On va lire à l'endroit, ça va être plus simple à comprendre. Ici, il joue, il s'arrête. Si je passe, pardon, c'est pas là, c'est là. Si je passe donc sur le mode toggle, il joue. Sans s'arrêter, et il s'arrête si j'appuie. Et si je passe sur le dernier mode, en trigger, voyez ce qui s'est passé en trigger? Donc il lit et il recommence au début du sample dès que je rappuie. J'ai appuyé sur le pad d'à côté et tout à coup il me demande donc du coup est-ce que je veux passer sur le B12 pour éditer. Bon, alors ici je vais sortir du mode.
voyez, keep power on. Voilà, donc maintenant, il me lit. Donc maintenant, il me lit le sample, et pas en boucle, parce que je ne l'ai pas décidé en boucle. Hein. Je peux lui faire décider en boucle. Donc je retourne dans le menu Edit. J'édite le pad 11, Enter. Et ici, donc, alors, hop. C'était pas là, c'était là. Loop. Attendez, je suis plus où je suis là du coup. Trigger. Toggle. Voilà. Voilà, donc ici maintenant, alors j'arrive plus à me rappeler. Ok, donc voilà, je vais revérifier sur le manuel la différence entre ces deux-là, parce que là, j'arrive pas à l'entendre, à capter en fait ce que c'est. Donc on sort du mode maintenant, keep power on à nouveau, et donc j'ai édité ce petit pad-là. Voilà, alors, on va pouvoir en éditer d'autres. Hein. Par exemple, ici j'en ai un. Et alors, bon, la boucle n'est pas parfaite. Alors, ça ne s'entend pas à fond, mais quand même. Alors, je vais aller éditer. Donc, le pad 7, edit 7, oui, enter. Bon, il faut quand même... Voilà, je vais lui mettre en toggle... Ah, puisque du coup il joue en loop, en boucle, hein. Et puis j'avance. Alors ici, je gère le volume de sortie. Ouais. Avec les plus et les moins. Là. Normal. Hein. Ok. En continuant ici. Alors là, à vérifier dans le manuel, c'est pas là où je voudrais avoir. Ça, c'est pour gérer le MIDI. Donc, on s'en sert pas ici. Et ici, voilà, start point. Et ça, c'est mon tempo, a priori. Alors, j'ai pas le tempo du sample que j'ai déclenché. Mais vous allez voir un truc intéressant. Ça, c'est donc la fin de ma boucle. Ici, avec des plus et les moins, là, je vais pouvoir revenir en arrière ou gérer donc la longueur de ma boucle. Et le tempo va bouger. Et alors, si on bouge vraiment beaucoup, ça c'est le déroulement total du sample. Hein. Donc j'appuie sur les moins, là. Vous voyez que ça défile. Et puis, on entend que le... Voilà. On voit que ici, les points, hein, j'ai diminué le sample. Et puis aussi, le sample, il tourne plus du tout pareil. Alors, je rallonge mon point de sortie, là. On va essayer de revenir à un truc qui ressemble à un sample qui tourne bien. Je pense que là, et je m'ajuste pour arriver à 120 au tempo. Parce qu'a priori, le sample que j'ai déclenché, eh ben, il est à 120. Voilà. Donc ici, j'ai réglé. Donc ça vaut quand vous enregistrez un petit truc et que c'est pas parfait, ça tourne pas super bien. Et eh ben là, vous gérez en fait le début du sample et la fin du sample pour que ça tourne bien, comme on peut l'entendre maintenant. Ok, voilà. Une nouvelle petite vidéo, juste parce que là, on n'a pas du tout vu comment on enregistre. Alors, c'est quand même assez intuitif. Hein. Il suffit d'appuyer ici sur le bouton Rec. Il va vous demander à chaque fois, donc Rec, là, Which Pad, donc ici, Which Pad, la durée d'enregistrement disponible, 10 secondes 08. Je vais choisir d'enregistrer sur le pad numéro 8, moi.
Il, quand même, il me demande rec on b8, enter. Ici, je vais pouvoir régler le gain. Donc, avec le plus et le moins aussi. Donc, le gain, là, c'est le 10 qui s'affiche à côté du gain. Vous voyez, si je descends, 8, 7, 6. Donc, voilà. Alors, juste, je vais juste me déplacer parce que j'ai, du coup, j'enregistre avec ce clavier. Alors là, l'enregistrement, il est a priori, voilà. Bon, je vais enregistrer ça, par exemple. Ces deux notes-là, sur le même, donc sur, comme petit sample. Alors, vous voyez, quand je joue, il m'affiche le niveau. Hein. Donc ici, a priori, ça va. Je peux toujours essayer de monter un petit peu, parce que si je veux vraiment avoir plein de un son assez fort, là c'est vraiment bien fort. Et vous avez vu que tout à l'heure on est quand on est passé dans le mode edit, on pouvait éditer le volume du pad. Hein. Mais il vaut mieux enregistrer avec le meilleur gain possible, hein. Sans que ça soit saturé. De toute façon, vous allez le voir. Par exemple, si je là ça y est pas, mais si... vous voyez, la petite étoile à côté du gain signifie que ça va trop fort. Hein. Donc on va revenir à un niveau, voilà, plutôt pas mal, comme ça. Ici, donc je suis toujours, quand je suis comme ça, je suis en attente d'enregistrement. Hein, je peux appuyer sur REC, il ne va rien se passer. Maintenant, j'appuie sur Play. Et là, c'est cool, hein, ça marche très bien, c'est sampler. Il ne va rien se passer non plus tant qu'il n'y a pas de son qui rentre. Donc, l'enregistrement va se faire juste au moment où le sampler va détecter le signal du son qui rentre. Donc là, j'appuie sur Play. Waiting. Et maintenant, je vais jouer ping, ping, pong. On a dit ça. Voilà. Et stop. Alors, par contre, si je veux gagner le plus de place possible, hein, donc maintenant, je peux réécouter. Voilà. Bon, je ne suis pas très content de ça. Donc, je vais recommencer. À nouveau, sur le 8. Enter. Alors, il me demande si je veux effacer. Bah oui. Donc là, c'est un peu long, hein, parce que c'est, ça reste quand même les tout débuts du numérique. Hein. Ah bon, voilà, ça a été rapide. Alors, je vais enregistrer juste ça. OK, donc je suis prêt. Et alors, par contre, je suis prêt aussi à appuyer rapidement sur stop pour ne pas perdre de place. Donc là, c'est bon. Et j'appuie sur stop. Et voilà. Bon. Alors, par défaut, et il lit le truc en boucle. Par exemple, là, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je vais aller sur Edit, éditer ce pad-là. Oui, edit, il demande à chaque fois. Hein. Et puis, donc, je ici, là, je vais lui dire, bah tiens, pour rigoler, reverse shot. Donc là, il va le dire. Hein. Si je me mets ici, one shot, il va le dire. Une seule fois. Et si je me mets ici en reverse shot, voilà, il le lit à l'envers. Voilà, et puis donc ici, bah, j'ai modifié ça, je sors, j'attends qu'il... Voilà, et je... Alors... J'ai un petit souci là, c'est que en fait, quand j'appuie, ça part pas tout de suite. Alors j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien que ça parte. Ici, on note que le, donc, on note ici à chaque fois quand j'appuie sur un pad, il m'affiche dans quel mode il est. Donc là, il est en mode de boucle. Vous voyez ? Voilà, celui-là aussi. Celui-là, il est en reverse. Donc là, il va falloir que, en fait, j'édite le point de sortie, puisqu'il joue à l'envers. Donc, pour que le truc,
il puisse se déclencher un peu plus rapidement quand j'appuie. Donc j'édite le B8. Puis là, je vais aller jusqu'à ici. Donc start point 474 et end point. Voilà. Et là, je vais diminuer. Je diminue. Bon, en fait, c'est des bits. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, là. Les... Mais, a priori, on peut bien rogner sur le truc. Ah ! Vous voyez, maintenant, quand j'appuie, on voit bien que là, j'ai diminué la fin. Hein, comme il le joue en arrière. C'est normal, j'enregistre et puis le temps que j'appuie sur stop, bah, il y a du silence à la fin de mon sample là. Donc moi, avec l'édition, ce que je fais sur endpoint, et je peux aussi le faire sur le start point, c'est-à-dire que je peux aussi décider de bouffer un peu le début du sample. Hein, et puis donc là, j'ai bouffé la fin pour que quand je passe en reverse, voilà, maintenant, donc je fais exit. Je passe en reverse et puis... Voilà. Maintenant, il se déclenche au moment où j'appuie. Voilà. Alors bon, ici, voilà, on a quelques trucs. Hein. Sur la banque numéro... c'est sur les banques C et D, il n'y a rien. Sur la banque A... Il y a des sons de batterie. Et puis, une petite boucle de Christine and the Queens, parce que on aime ça. S'amuser un peu. Alors, ils sont ici, il y a de quoi aussi bouger tout ça. Hein. C'est un peu fastidieux au départ, mais le jeu en vaut la chandelle. Parce que là, si je me plante et si je reste appuyé, vous voyez, il joue le beat en boucle. Alors ça, très facile, je vais à nouveau sur Edit, je vais éditer lui, clac, Enter, et je vais lui dire One Shot. Enter, exit. Voilà, il me semble que, éventuellement, dans Utility Bulk, non, c'était pas ça. Exit, Utility, non, c'est pas ça non plus. Excusez-moi, je perds du temps pour... Non, bon, c'était pas dans Utility. Ou peut-être là. Il y avait un truc intéressant. Voilà, default. Donc par défaut, à chaque fois qu'on enregistre quelque chose, il est en mode loop. Et ça, ben, je peux le changer. Hein, reverse shot, reverse loop, one shot. Voilà, donc là, par défaut... Tous les pads nouveaux que vous allez enregistrer, ils seront en one shot. Et ensuite, libre à vous d'aller dans l'edit pour les passer en loop. Voilà. Bon, tout ça, ça se fait avec de la pratique. Bon, étant donné que j'avais un peu bugué sur les explications du loop mode avec le sampler, bon, maintenant que je l'ai envoyé à son acheteur, je fais une mise au point avec le... mode d'emploi que j'ai trouvé donc sur internet très facilement. Donc ici donc on voit le sample, c'est bien fait, hein. Et puis ce manuel est vachement bien fait, expliqué. Donc c'est tout en anglais, je sais pas s'il existe en français, mais il explique comment qu'est-ce que c'est un sample, comment c'est échantillonné. Bon, c'est tout à fait intéressant, c'est bien fait, donc facile à comprendre, et je vous invite à le consulter, même si c'est en anglais. Hein, et puis, il y a tellement de choses qui sont disponibles au niveau musical en anglais que vraiment, ça vaut le coup de se familiariser avec la langue
et le vocabulaire technique anglais, hein, dans tous les cas. Alors ici, donc, voilà notre sample. Hein, et puis, donc, une fois où j'avais parlé donc, du start point, on sélectionne le départ du sample qui va jouer. S'il ne bouge pas, bah, c'est le début de l'enregistrement. Et puis la fin, hein, j'avais fait un peu la manipulation pour choisir la fin. Donc, en one shot, bah, il lit du début à la fin et puis il s'arrête. Hein. Alors, en boucle, W loop. Eh ben, il fait demi-tour, en gros, il fait une boucle infinie entre le start point et le end point, hein, sélectionné. Alors voilà pourquoi, sur mon test, je n'avais pas de différence entre celui-là et puis le mode différent, le P loop, qui est donc partial loop, hein, une boucle partielle. C'est que en fait, le sample va jouer du point de départ jusqu'à la fin, et ensuite il va recommencer au point de loop, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner, hein, et aussi on peut faire l'inverse, hein, comme c'est expliqué là, c'est-à-dire qu'il va commencer ici éventuellement à un point qui serait pas le départ du sample, et ensuite il va repartir d'un autre point. Voilà, donc tout ça, c'est à sélectionner le loop point, start point, end point dans le menu d'édit, quoi. Voilà pour la petite mise au point finale à propos de ça. Voilà, bon, c'est pas totalement exhaustif, hein, cette vidéo, mais j'espère que ça permettra de mettre le pied à l'étrier sur la machine et puis d'aller plus loin éventuellement. Allez, voilà. Petit bonus parce que je pense à ça, la fonction pitch, hein. On a vu déjà dans l'utility, il me semble, que donc le pitch, il y en avait un là, hop, ok, donc ce qui veut dire que je peux pitcher ce qui rentre et ensuite donc le jouer plus doucement, moins vite. Bon, il faudra faire l'expérience. Ici, ce que je voulais montrer aussi, c'était la lecture en pitch. Donc ici, après, si je vais dans les autres menus, par exemple, j'ai toujours mon... Voilà, si j'ai envie de jouer sur un tempo un peu plus cool, bah, je vais faire Shift Pitch, là. Et puis ici, sur le ruban, là, modifier le pitch de mon sample. Voilà, à la fois accéléré. Alors le ruban, il a un peu vécu, hein, donc il voilà, mais voilà pour le menu Shift. Exit pour sortir du menu Shift. Et puis, alors on a un menu Scratch qu'il va falloir activer. Voilà, de cette manière-là. Voilà, donc ici j'ai activé Scratch. Hop, exit. Donc je peux scratcher avec a priori un peu ce que je veux. Là, je scratch avec ce sample là. Je peux scratcher.
avec ça aussi, donc scratch 8, et puis... Voilà, bon, ça donne des résultats, hein, plus ou moins... hop, exit à nouveau. Crossfader, filter, ben voilà, je vais filtrer aussi. Alors, le filtre, c'est pareil, ça va toujours agir avec ce ruban. Alors, je vais sélectionner par exemple ça. Et puis, filtrer. Voilà, de quoi s'amuser. Et puis après, libre à vous de passer donc dans un mode par exemple song. Alors là, je reviens par exemple là, et puis je peux enregistrer. Voilà, donc je peux m'amuser par exemple pour faire un truc d'accompagnement, n'importe quoi, hein, pour pouvoir à peu près après jouer par-dessus, ou jouer avec un autre instrument. Donc là, je vais Shift Song. Rec, ah non, c'est voilà, il faut Rec Which Pad, il me demande. Et là, je vais Shift Song. Et là, je vais enregistrer Song 1. Ok. Il y avait déjà quelque chose d'enregistré a priori. Press Play. Et maintenant, recording, c'est bon. Donc, à nouveau, ce qui est pratique, c'est qu'il ne va pas commencer à enregistrer tant que moi, je n'ai pas commencé à jouer. Et stop. Donc là, voilà. Bon, il faut s'entraîner un peu avant. Hein. Et puis ensuite, ça joue. Qu'est-ce que je peux dire encore de plus? Donc hold, hein, c'est pareil. Quand hein, je vais aller sur l'autre banque, là, j'avais fait ce truc-là. Voilà, si il est en one shot, mais si j'ai envie qu'il joue en boucle, bah, je vais appuyer sur hold en même temps. Non, il ne le fait pas parce qu'il n'est pas en mode... Non, il le fait pas parce qu'il n'est pas en mode boucle. Donc il faut que ça soit en mode boucle a priori. Il peut donc directement, si j'appuie sur rêve là, il va le jouer à l'envers. Donc comme lui, il est déjà en lecture à l'envers, si j'appuie sur reverse, rêve pour reverse, il va me le jouer à l'endroit. Voilà. Alors c'est rigolo. C'est rigolo par exemple sur un sur les, ces boucles là aussi hein. Bon, allez, ça va pour aujourd'hui.